Donc, je vais vous faire une présentation de Framabook, qui est une des activités de Framasoft, la maison d'édition de Framasoft. Donc, moi, je m'appelle Yann Carvran, je suis écrivain. Je suis rentré en fait dans Framasoft par le biais de Framabook, parce que j'écris des romans policiers historiques. Et j'ai récupéré le droit de mes romans qui étaient édités chez un éditeur traditionnel. Et j'avais contacté Framabook donc, pour les rééditer sous licence libre avec un partenaire, en fait. Et au fil du temps, ça s'est tellement bien passé la collaboration que j'ai intégré Framabook et puis Framasoft par la suite. Et maintenant, je suis avec Framatoff, qui est un des coprésidents de l'association, un des principaux moteurs, on va dire, de l'aspect livre au sein de Framasoft. Donc c'est une activité qui est un petit peu moins connue, qui est portée uniquement par des bénévoles au sein de l'association. Et qui a en fait connu une histoire un petit peu chaotique. On essaye de remettre les choses un petit peu plus carrées depuis un ou deux ans et d'être un petit peu plus compréhensible par le public. Parce qu'il y a une des choses, donc c'est normalement la première slide que je mets et que je laisse pendant un moment, c'est que Framabook, c'est pas l'éditeur du libre. C'est juste un éditeur qui fait du libre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une œuvre est libre qu'elle sera automatiquement intégrée aux collections Framabook. Déjà, nous, on n'accepte que des licences libres et pas de libre diffusion, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de NC et de ND, par exemple. Donc on prend du CC0, du BY, du BY-SA, la licence art libre aussi, par exemple. Donc ce qui, pour certains, restreint en fait la définition du libre. Et ensuite, on est donc une petite équipe, hein, donc uniquement composée de bénévoles, mais on fonctionne comme une vraie maison d'édition. C'est-à-dire qu'on a un comité éditorial, et quand les gens nous envoient des propositions de livres, quels qu'ils soient, on en discute, donc on travaille avec des mailing lists, et on en discute entre nous, et il faut qu'il y ait déjà une majorité de gens qui soient pour, et surtout il faut qu'il y ait une personne qui décide de faire le travail d'éditeur. Donc le travail d'éditeur, c'est la personne qui va servir d'interface entre l'auteur et le groupe Framabook pour discuter des corrections, éventuellement d'adaptation sur le fond, sur la forme, et de préparer le manuscrit pour qu'ensuite il soit mis en page pour faire à la fois du livre papier en print on demand, donc on utilise la tech pour faire ça, et également pour faire des e-pubs accessibles, donc qui est certainement une des particularités de la maison d'édition. On fait des e-pubs qu'on essaie de rendre compatibles pour que les gens qui ont des handicaps visuels, par exemple, puissent les mettre dans des machines dédiées. Donc il y a un gros travail de sémantique à faire sur l'e-pub pour ça et qui souvent doit se faire manuellement. Et malheureusement, on a qu'une seule personne qui est vraiment très compétente là-dessus. On est plusieurs à s'y connaître un petit peu. Et il faut tout faire à la main parce qu'il faut rajouter beaucoup de balises sémantiques en fait, au sein du XHTML dans l'e-pub. Donc ça nous prend beaucoup de temps, et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles fréquemment on refuse des manuscrits, c'est parce qu'en fait on n'a pas les forces vives, tout simplement pour le faire, et où parfois il y a des gens aussi qui sont déçus qu'on mette du temps à sortir les livres, c'est parce que on n'est pas nombreux pour le faire. Donc moi, quand je suis rentré dans Framabook, ça fait maintenant plusieurs années, donc j'avais déjà trois romans d'écrits et pas mal de nouvelles donc, qui doivent être rééditées. Pour l'instant, on a sorti que le premier tome des enquêtes de mon héros, parce qu'on n'a pas le temps en fait, de faire les e-pubs correctement. Et on sort pas tant qu'on n'est pas prêt. Justement, on n'a pas d'impératif de production, justement, contrairement à une maison d'édition traditionnelle qui est en société. Donc, on prend le temps de faire les e-pubs comme on voudrait qu'ils soient faits dans l'idéal. Vous avez le livre de Nadia Iqbal sur Dérouter des ponts qu'on avait traduit sur le Framablog. Je ne sais pas si vous voyez quel ouvrage c'est. C'est un ouvrage qui parle du problème du financement du logiciel libre. Donc on a coédité avec un autre éditeur qui fait également de l'open edition. Donc eux, ils ont fait la version papier, ils ont fait un e-pub qui est payant. Et nous, on va faire un e-pub qui va être en libre téléchargement comme tous les Framabook. Sauf que le nôtre, il n'est pas encore disponible parce que pour l'instant, on n'a pas le temps de le finir, tout simplement. La particularité de Framabook, c'est également qu'on fait la promotion du libre. Donc on va faire la promotion du libre avec deux axes principaux. Le premier, c'est qu'on va travailler avec des gens qui, eux-mêmes, ont une vision du libre. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'avoir un texte et de se dire « tiens, je vais le mettre sous licence libre parce que ça me permettra d'aller chez Framabook ». On essaie de travailler avec des gens qui ont véritablement envie de collaborer au commun en fait, qu'on met en place avec les licences libres. C'est pour ça qu'on n'utilise pas les NCND, parce qu'on estime que ce n'est pas suffisamment dans les communs. En fait, c'est une des raisons des choix de licences restrictives qu'on peut faire.
Et ce qu'on essaye de faire, c'est de soutenir justement les artistes qui font ça ou les auteurs qui font ça, parce qu'on fait du roman, mais on fait aussi, à la base, on faisait du manuel technique, on fait des essais également. Donc on fait des contrats qui sont plutôt très avantageux par rapport au milieu de l'édition traditionnelle. Donc la première chose, c'est qu'on fait des contrats non exclusifs. On doit être certainement des très rares éditeurs qui font ça. Parce que dans l'édition, normalement, quand on a un contrat avec un auteur, on va céder tous les droits de son œuvre, y compris les droits dérivés, à son éditeur. Et la plupart des contrats donc, font que vous vous engagez jusqu'à 70 ans après votre mort. C'est-à-dire que tant que les droits patrimoniaux existent, ce sera votre éditeur qui en aura l'intégralité du contrôle. Et vous ne pouvez absolument plus rien faire. C'est-à-dire que moi, quand mes livres, mes romans étaient chez un éditeur traditionnel, donc j'avais un contrat exclusif avec lui, j'avais à un moment des gens qui m'ont contacté pour éventuellement les traduire en anglais. Je lui en ai parlé, parce que j'avais pas le droit de le faire. Lui en a parlé à son diffuseur qui avait lui-même un contrat, parce qu'il était en contrat avec un diffuseur, et qui lui-même était en contrat avec un agent qui s'occupait des traductions, qui lui a dit, non, moi, j'ai personne pour le faire, donc non. Et donc du coup, mes romans n'ont pas été traduits, malgré le fait que j'avais des contacts et malgré le fait que j'en avais le souhait. Là, avec Framabook, si vous éditez chez nous et que vous trouvez un autre éditeur qui vous propose un contrat intéressant, dès l'instant où il accepte un contrat non exclusif, parce qu'il faut que lui aussi l'accepte, vous pouvez tout à fait le faire. Si vous trouvez un studio de cinéma qui veut faire une adaptation pour Hollywood, vous pouvez le faire. Vous nous avez juste concédé un droit d'édition pour une édition précise. Et de toute façon, comme votre ouvrage est sous licence libre, de toute façon, on ne peut pas en avoir l'exclusivité, puisque vous permettez à tout le monde, finalement, d'accéder à votre texte de la façon qu'il le veut. L'autre aspect du contrat, alors qui est plus avantageux que chez la plupart des éditeurs, c'est qu'on donne plus de droits d'auteur. On donne à peu près le double, on donne 15% sur les ventes. Alors ça, je le dis avec un petit sourire, parce qu'il faut savoir aussi qu'on vend très très peu les Framabook. Parce que comme on fait l'édition un petit peu particulière, ça j'en reparlerai un peu après, la manière dont on travaille fait qu'on ne peut pas être intégré au réseau de diffusion traditionnel. On ne veut pas vraiment l'être, on est en pleine réflexion justement là-dessus, parce que ça nous pose aussi des problèmes éthiques et à plein de niveaux. Et donc on ne peut pas intégrer le réseau de diffusion traditionnel, donc c'est très très difficile d'aller chez des libraires. Et donc du coup, le seul moyen de vendre le livre, c'est que les gens aillent l'acheter finalement sur Lulu, parce qu'on ne met pas nos livres sur Amazon, vous comprenez aisément pourquoi, je pense. Et donc du coup, c'est très difficile de toucher le public, donc on vend très peu d'exemplaires finalement. Et donc oui, on vous donne 15%, c'est énorme, ça va vous donner 15% sur 50 ventes, donc ça ne va pas faire grand-chose. Mais au moins c'est symbolique, c'est-à-dire qu'on essaie de faire des efforts de ce point de vue-là, et on essaie également de faire des prix pas trop élevés, malgré le fait qu'on fait du print on demand sur la version papier, pour aider à la diffusion justement de l'œuvre. Comme on est associatif, on ne cherche pas forcément à faire du bénéfice, on essaie plutôt d'expérimenter et de trouver des solutions qui pourraient convenir à une chaîne du livre un petit peu plus vertueuse. L'autre façon de promouvoir le livre, c'est justement en se servant de la notoriété de Framasoft pour parler de culture libre également, parce que surtout avec des googlisons, les gens connaissent surtout la partie technique finalement et le logiciel libre. Mais Framasoft ne se consacre pas qu'au logiciel, il y a tout un aspect culturel qui est vraiment important. Et on essaie de se servir finalement de la force de communication de Framasoft pour parler justement du travail que peuvent faire certains auteurs, ou comme Nadia Iqbal, qui avait fait un rapport qui n'était pas très très connu, on l'a traduit par le Framablog et après on a fini par en faire un livre. Donc je vous disais, nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est un modèle vertueux, ce qui explique pourquoi on n'est pas dans la diffusion traditionnelle, parce que ça pose beaucoup de problèmes écologiques, beaucoup de problèmes aussi sur les flux monétaires au sein de la chaîne du livre traditionnel. C'est qu'actuellement, ça coûte très cher d'acheminer le livre depuis l'éditeur jusque chez le lecteur. Donc vous avez plusieurs systèmes qui sont utilisés. Mais il faut toujours à un moment un camion qui va transporter le papier, qui c'est très lourd le papier, de chez la personne qui a créé le livre jusque le destinataire final. Et actuellement, le destinataire final ne s'en rend pas compte et on ne le lui fait pas payer. Donc c'était une des causes des grands débats face à Amazon des libraires quand Amazon faisait les frais de port offerts. Et où les libraires disaient que c'était de la concurrence déloyale, parce que vous disiez, oui, mais chez mon libraire, je n'ai pas de frais de port. Oui, sauf que le libraire, il se fait livrer lui aussi. Et donc, à un moment, il faut que quelqu'un dans la chaîne du livre paye les transports. C'est absolument indispensable
pour que le livre arrive, de la même façon qu'on est obligé de payer la fabrication du papier, la mise en forme du livre papier. Et actuellement, ce qui se passe dans la chaîne du livre traditionnel, c'est qu'on esquive le paiement d'une des personnes à un moment, voire de plusieurs. Donc, c'est-à-dire que dans la chaîne du livre traditionnel, l'imprimeur est à peu près sûr d'être payé. Le distributeur, donc, c'est-à-dire c'est la personne qui va prendre les livres à l'entrepôt, qui va les mener jusqu'au libraire, lui, c'est celui qui va toujours être payé parce qu'il est payé à la source. Et ceux qu'on va plus ou moins bien payer, ça va être les éditeurs, qui arrivent plus ou moins bien à se faire payer, les libraires, qui arrivent à plus ou moins bien se faire payer avec beaucoup de problèmes de trésorerie. Et donc, il reste une variable d'ajustement. Donc, une fois que vous avez fait la soustraction, il reste les auteurs. Et la situation des auteurs, justement, se dégrade d'année en année. Donc, ça n'a jamais été très reluisant, hein, parce qu'on n'a jamais vraiment financé les auteurs. Le droit d'auteur tel qu'il a été mis en place depuis le 18e, malgré son nom, ce n'est pas du tout un droit d'auteur. Hein. Il existe le temps que vous le donniez à votre éditeur, voilà, le temps que vous le vendiez, entre guillemets. Et après, l'éditeur en fait ce qu'il veut. Beaumarchais, donc, dont on parle souvent justement pour la création du droit d'auteur, il était aussi éditeur et puis il était aussi marchand de papier. Hein. Donc il n'était pas que... on en parle toujours aussi comme l'écrivain, mais c'était aussi un homme d'affaires. Et on se rend compte que finalement, on est le maillon sur lequel on peut jouer le plus efficacement parce qu'on n'a aucun droit en fait, quand on est auteur dans la chaîne du livre. Donc c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer aussi aux gens qui sont dans le salariat et de dire qu'il faut défendre ses droits. Bah, quand on n'a pas de droits, quand on est dans une chaîne industrielle comme ça, ça fait qu'on n'est pas payé au final. Moi là, donc ça fait une dizaine d'années que je suis dans le livre. Donc au début, j'arrivais à gagner avec quelques livres à peu près 8 000 euros par an, hein, sur mes livres. En ayant 2-3 livres à peu près en magasin. Maintenant, j'en ai un peu plus d'une dizaine. Cette année, je vais toucher 300 euros de droits. Et en sachant que les 300 euros, on me les a promis, c'est donc de 2016, hein, je ne les ai toujours pas touchés cette année. J'ai eu au mois de septembre le dernier éditeur qui me paye encore un peu, qui m'a dit, écoute, là, j'ai calculé tes droits, oh, il n'y a pas grand-chose. Oui, bah, super, merci, je suis content de l'apprendre. Ça arrive bientôt, c'est au mois de septembre. Voilà. Et j'ai aucun moyen, parce qu'il a tous les droits sur mon œuvre. Donc si je lui fais un procès, il va juste la retirer de son catalogue et puis je ne toucherai plus jamais rien. Et si jamais lui-même, il ne me paye pas, c'est pas parce qu'il c'est un méchant requin. Hein, lui-même a des problèmes de trésorerie, les circonstances sont difficiles pour lui aussi. Et donc la seule personne sur laquelle il peut repousser le paiement, c'est l'auteur, parce que moi je ne suis pas salarié, je suis un fournisseur. Et si jamais sa société elle coule, donc ça moi j'ai eu le cas avec un autre de mes éditeurs, qui a déposé son bilan, moi je fais partie des actifs. Hein. La valeur de mon travail, ça fait partie des actifs de la société. Donc ça a été revendu à un tiers. J'étais représenté par un avocat que je ne connaissais même pas, qui a dit qu'il était d'accord. Donc le tiers récupérait le fonds de livre. Bon, par contre, on a annulé la dette des droits d'auteur, parce que on annule les dettes pour que ça permette de relancer l'économie de l'entreprise. Donc je suis un actif qui est transféré. Par contre, on annule ce qu'on me doit comme argent, par exemple. Donc moi j'ai été averti à temps, donc j'ai pu récupérer mes droits. Et j'ai un copain qui a perdu presque 15 000 euros de droits dans l'affaire, qu'on lui devait, hein, c'était marqué dans le service comptable. Et il n'y avait pas d'argent. Donc comme on est un simple fournisseur, on n'est pas salarié, il n'y a absolument rien du tout, du coup, on ne lui a pas payé l'argent. Donc c'est quelque chose sur lequel on essaie de travailler au sein de Framabook. Donc on n'intègre pas cette chaîne du livre parce que on trouve qu'elle exclut trop de gens. C'est difficile aussi pour les petits éditeurs, c'est difficile pour les petits libraires. On a la chance au sein de Framabook d'avoir une libraire, justement. Donc on essaie de réfléchir à des solutions qui soient aussi plus écologiques, parce qu'il y a beaucoup de livres, quand ils sortent, on va sortir beaucoup d'exemplaires pour inonder les linéaires, pour faire de la visibilité. Donc au moment de la rentrée littéraire, vous voyez les linéaires qui sont envahis justement de livres de footballeurs, de stars de la télé, etc. Faut voir, ce sont des livres qui ne se vendent pas forcément toujours très bien. Ou alors ils se vendent très bien, donc ils vont en vendre plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, sauf qu'ils ont beaucoup de déchets aussi. C'est-à-dire qu'ils vont en vendre peut-être 300 000, mais ils en ont mis 500 000 en place. Donc ça veut dire qu'il y a 500 000 exemplaires qui se baladent en camion sur tout le territoire, et il y en a 200 000 qui font le trajet ensuite pour être transformés en pâte à papier. Donc au niveau écologique aussi, c'est pas terrible. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi pour Framabook de faire du print on demande, c'est-à-dire que les ouvrages sont imprimés à la commande. Donc on travaille avec Lulu, ce qui fait qu'à chaque fois que vous commandez sur Lulu un exemplaire, il est imprimé à ce moment-là, uniquement parce que vous l'avez commandé. Donc vous vous rendez bien compte qu'on n'a pas d'économie d'échelle et ça fait que les exemplaires ils peuvent être relativement chers à fabriquer puisque quand on lance une impression, le temps de caler l'impression, ça prend du temps et une fois que c'est lancé, on laisse les machines tourner et ça baisse le coût par exemplaire. Sur les Framabook, on ne peut pas le faire. Ce qui fait que ça limite aussi les possibilités qu'on a
de réduction à faire pour les libraires. Si on leur fait la réduction standard qu'ils s'attendraient à avoir, soit Framabook ne touche pas du tout d'argent, soit il faut qu'on baisse les droits d'auteur, soit il faut qu'on ne paye pas la livraison. Enfin, il y a encore une équation qui n'est pas résolue pour arriver à intégrer cette chaîne du livre, parce qu'on se rajoute des contraintes éthiques qui font qu'on ne peut pas concurrencer actuellement le fait que sur la chaîne du livre, on n'explique pas finalement aux gens qu'ils ne payent pas l'intégralité du prix. Finalement, les livres ne sont pas assez chers pour financer de façon vertueuse tous les intervenants finalement dans la chaîne. Donc là, c'est une grosse réflexion sur laquelle on est en train de travailler encore actuellement. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, même qui sont éditeurs, enfin des sociétés, on n'est pas du tout fermé à la discussion avec des organismes à but lucratif au sein de Framasoft, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut travailler. Donc on a une libraire, donc elle c'est son métier aussi, donc avec laquelle on travaille. On n'a pas encore trouvé de solution, donc les gens qui font des Framabooks, il faut bien aussi que vous soyez conscients, si vous proposez un manuscrit, c'est très expérimental tout ça. Donc on essaye de garantir qu'il y a de l'éthique dans la façon dans laquelle on travaille, mais c'est aussi un laboratoire de recherche, donc on n'a pas trouvé de solution, sinon ça se saurait, pour arriver à faire qu'on ait une bonne diffusion, qu'on touche beaucoup de public, tout en étant correct avec tous les intervenants de la chaîne. En même temps, c'est pas une initiative qui a été mise en place contre les acteurs traditionnels de la chaîne. Donc, je vous le disais, on n'est pas du tout opposé à la discussion. C'est juste qu'on a envie que le livre, Pierre Rivière disait que pour lui, le livre, c'était l'open source plus de l'éthique. Et c'est vrai qu'au sein de Framasoft, on essaie toujours d'adopter une position éthique et on essaie de l'appliquer également, par exemple, à la culture libre, tout au long de la chaîne, sur les outils qu'on utilise et sur les processus qu'on met en place. Mais ce n'est pas du tout incompatible avec une chaîne traditionnelle. Il y a des gens qui recherchent, je pense, des solutions similaires aux nôtres. On n'est pas du tout en train de dire que c'est mal d'aller chez un grand éditeur, etc. Il y a des gens très compétents, il y a des gens qui essaient de faire de leur mieux, sauf qu'ils ont des contraintes économiques à laquelle nous on n'est pas soumis, qui nous permet justement de faire nos essais qui pour l'instant ne sont pas concluants justement. Donc comme tous les autres projets au sein de Frama, on travaille aussi bien sur les outils. Donc on essaie de voir les différentes solutions techniques qui existent pour faire du livre papier et du livre e-pub, donc les outils libres qui permettent de partir d'un manuscrit alors sous différentes formes, que ce soit du Markdown pour l'instant ou des fichiers OpenOffice, et comment est-ce qu'on peut avoir des outils qui permettent de travailler efficacement pour aboutir à de l'e-pub accessible. Ah bah ça y est, c'est arrivé. J'en suis à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e slide. Hop. Encore après. La suivante. Encore. Voilà. Merci. Donc comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir des outils qui permettent de travailler efficacement d'un bout à l'autre de la chaîne avec des gens qui ne sont pas spécialistes du code? Parce que ça aussi, c'est un problème que l'on a, c'est qu'il y a les solutions techniques, comme par exemple LaTeX, qui permet de faire effectivement des PDF de toute beauté, sauf que LaTeX, pour les Dupuis Morisot, ce n'est pas du tout utilisable. Nous, les gens qui collaborent à Framabook, on a des gens qui ne sont pas du tout informaticiens. On a essayé, par exemple, de faire le suivi des relectures par Git. Pour l'instant, c'est juste inenvisageable pour eux, Git. C'est trop lié à une mentalité d'utilisateur, de développeur, finalement. On s'est rendu compte que c'est absolument pas fonctionnel. Donc on essaye un petit peu tout ce qui existe. À un moment ou un autre, on va l'essayer sur un flux de production pour essayer de voir comment est-ce que ça pourrait être utilisé après justement par d'autres éditeurs, par des gens qui s'auto-éditent, par des associations. Puisque l'idée, c'est vraiment d'expérimenter, de tester en fait les solutions qui nous sont proposées. Pour l'instant, on en est arrivé à la solution où en gros, la majeure partie des cas, on va partir du Markdown. Avec le Markdown, on va exporter d'un côté en LaTeX et on va finaliser le LaTeX d'un côté. Et de l'autre, à partir du Markdown, on va exporter via Pandoc vers de l'ePub et on va retravailler les ePub à la main. Donc, je vous disais pour l'instant pour son accessibilité. Moi, j'ai réussi à mettre en place une solution sur mes romans qui est scriptée. Parce que mes romans sont très formatés, c'est des romans policiers, donc c'est toujours organisé, le chapitrage est toujours le même, enfin je veux dire l'organisation des chapitres, il n'y a jamais plus de deux niveaux de profondeur, etc.
Et donc j'ai réussi à mettre en place des scripts qui font que, comme j'utilise un vocabulaire quand même assez spécifique par rapport au Moyen-Orient des croisades, etc., je me suis fait un script Python qui fait des changements par expression régulière autour de termes. Parce que par exemple, pour l'accessibilité, quand vous mettez un terme, par exemple le terme jean, quand vous dites Jean a mis son jean, vous lisez la phrase, pour vous c'est évident que c'est Jean qui enfile son jean et c'est pas Jean qui enfile un Jean ou... Et bien ça, vous êtes obligé de le mettre dans un texte parce que lorsque la machine va lire le texte automatiquement, il faut lui dire que bah Jean, le premier, il n'y a rien à mettre, c'est du français. Par contre, pour l'autre, il faut lui mettre une balise qui va lui dire que c'est de l'anglais, donc il faut qu'il le prononce à l'anglaise pour que la personne comprenne que c'est un jean. Et donc moi, ce que je me suis fait, c'est que je me suis fait donc une liste de termes. Bah, quand il faut avoir une expression, donc moi j'utilise de l'italien, de l'arabe, j'ai un peu de l'anglais dans la bibliographie. Donc comme c'est souvent les mêmes livres, ce sont souvent les mêmes termes, parce que bah, ça va décrire des vêtements, par exemple, pour les termes arabes, bah, je me suis fait une liste et je me suis fait un script Python qui, par expression régulière, remplace finalement, bah, quand il voit le terme arabe dans le texte, il rajoute automatiquement les balises autour. Donc, ce qui permet de simplifier quand même beaucoup le travail. Sur le tome 2, justement, là, j'arrive pratiquement de bout en bout à générer l'e-pub uniquement par les scripts, à 99%, il est valide au niveau des tests, etc. Sauf que bah, ça marche parce que moi, je fais une série et qu'on retrouve plus ou moins toujours les mêmes termes. Bon, à chaque fois, j'en rajoute un petit peu, mais plus ça va, plus ça fait masse et plus le script est efficace. Sur des gens qui vont faire un ouvrage unique, bah, ça va marcher beaucoup moins bien. Et le problème, bah, c'est que de toute façon, toutes ces balises, il faut les rajouter à un moment ou à un autre. Donc, on a envisagé éventuellement de partir du XHTML, mais ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un éditeur qui permette pour l'auteur éventuellement de taper le texte au kilomètre et qu'il ait le moyen d'afficher son texte sans balise et qu'ensuite, nous, on puisse rajouter éventuellement les balises dans le code. Donc, Sigil permet de le faire un petit peu, mais le problème, c'est que Sigil, il n'affiche pas réellement le contenu de l'e-pub. Je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent Sigil pour éditer les e-pubs. En fait, un e-pub, c'est juste un fichier zip. Et à l'intérieur, vous avez du HTML, hein, enfin du XHTML, du CSS. C'est juste en fait, un site web encapsulé, l'e-pub. Et le problème, c'est que Sigil, il n'affiche pas le réel contenu du zip. Il réorganise un petit peu l'arborescence pour la rendre plus compréhensible. Donc, il crée des répertoires virtuels, par exemple. Et dans vos fichiers, il vous change les chemins d'accès à l'intérieur du fichier pour les rendre compréhensibles avec son organisation de répertoires virtuels. Et donc, du coup, ça vous fausse finalement la perception que vous avez, parce que vous pouvez dézipper hein, l'e-pub. Si vous dézippez l'e-pub, ben, vous vous rendrez compte que finalement, l'arborescence est différente. Et donc, on n'a pas trouvé d'éditeur de texte qui permette donc, de faire du texte au kilomètre pour l'auteur qui dit, moi, voilà, j'y connais rien en XHTML, je m'en occupe pas. Et que nous, on puisse commencer au fur et à mesure de l'écriture, commencer à mettre des balises pour qu'ensuite, on puisse scripter pour automatiquement générer au final des e-pubs qui auraient déjà les balises en amont. Ça nous éviterait de le faire à la fin, alors que tout est prêt, que le PDF est prêt. On pourrait le faire de façon beaucoup plus progressive. Et en plus des outils, on essaie de voir les méthodes de travail qui peuvent exister pour collaborer autrement sur les ouvrages. C'est-à-dire que nous, on est un petit peu sur toute la France. On a des gens de tout milieu, de tout niveau de formation qui travaillent ensemble sur le projet. Donc on voit comment est-ce qu'on peut s'organiser pour arriver à faire du livre de bonne qualité quand même, avec des gens un petit peu éparpillés, avec des gens de toute qualité. Comment est-ce qu'on peut gérer la communauté de relecteurs? Comment est-ce qu'on peut gérer la communauté de rédacteurs, de responsables de fabrication? Toujours dans l'idée, bah, si un jour il y a des associations, de la même façon qu'on a fait des chatons, s'il y a des chatons éditeurs qui se mettent en place, bah, qu'on puisse proposer des solutions de travail qui fonctionnent, qui permettent de fabriquer, de proposer des livres faits autrement, dans de relativement bonnes conditions. Là, c'est pareil, on n'a pas encore trouvé de solution véritablement idéale, on va dire. On manque un petit peu de force vive, surtout depuis quelques temps, là, on a des gens qui ont des problèmes de santé au sein du groupe. On n'a pas encore trouvé de choses qui nous permettent d'être vraiment très fluides. Donc, avec mes romans, on a la chance de répéter, finalement, sur le même type de texte, avec des gens qui auront... On retrouve toujours les mêmes relecteurs qui vont être intéressés par le même type de texte. Donc on travaille toujours avec les mêmes gens, donc ça permet de... Comme dans un laboratoire, finalement, on peut répéter le process et essayer de l'affiner, mais c'est encore très très loin d'être complètement efficace et facilement partageable. Donc là encore, hein, s'il y a des gens qui travaillent sur des choses similaires, on est vraiment très preneurs d'échanges. Et si c'est un éditeur privé, bah, au contraire, hein, nous, ça nous ferait plaisir de voir des éditeurs privés, comme s'il y a des chatons qui sont en entreprise, s'il y a des AMAP de l'édition du livre, nous, on serait vraiment très contents. Slide suivant, s'il vous plaît.
Donc, qui travaillent sur le projet? En gros, de gens vraiment qui bossent beaucoup dessus. Donc, il y a Christophe Mazouti, que vous connaissez peut-être sous le nom de Framatoff, donc un des coprésidents de l'association, qui est une des personnes vraiment à l'origine du projet à la base. C'est un projet qui est né un petit peu de façon circonstancielle, parce que ça a été lors d'une collaboration avec les éditions Erol pour faire la biographie de Stallman. Et puis, bon, il s'est emparé du projet avec le temps. Donc moi j'ai intégré donc Framasoft par ce biais, donc puis c'est un sujet qui m'intéresse professionnellement depuis beaucoup d'années, donc j'essaie d'être moteur aussi sur le projet. Après on a deux trois personnes qui font partie de l'association, dont la personne qui travaille sur l'accessibilité, qui sont assez actifs également sur le projet. Et après on a ce que nous on appelle des colibris, donc des collaborateurs qui font pas partie de l'association mais qui nous aident de temps à autre. Surtout pour la relecture, c'est un des aspects où on a le plus de gens extérieurs. En sachant que la relecture de manuscrits, c'est quand même un travail particulier. On a mis un petit test sur le site Framabook pour expliquer aux gens ce qu'on attend d'un relecteur. Ce n'est pas juste être pas trop mauvais en orthographe. Hein. Il y a quand même, on a mis un petit exercice à faire en autocorrection pour voir est-ce que vous avez la fibre pour être relecteur, parce qu'il faut aussi savoir retransmettre ces corrections. Que s'il faut qu'après qu'on vérifie les corrections des gens, on va passer plus de temps, ce qui se passait au début hein, d'ailleurs, tout le collationnement prenait énormément de temps, et donc finalement c'était pas efficace. Et comme on a un niveau de compétence qui est relativement faible techniquement, bah, pour l'instant tout ce qu'on utilise c'est une liste de diffusion, donc comme on utilise dans Framasoft habituellement, avec un serveur sympa, et on a un serveur de fichiers, donc on a une instance OneCloud hein, tout simplement, sur laquelle on partage les fichiers. On a essayé donc des solutions à base de Git. Là, on est en train d'expérimenter aussi du Gitbook pour certains projets. Il y avait l'œuf et la poule, je ne sais pas pour ceux qui ont connu. Donc voilà, Framasoft aussi essayé. Enfin, je vous dis, voilà, on a vraiment tout essayé. Et au final, le plus petit dénominateur commun, finalement, c'est le partage de fichiers et l'email. C'est ce qui fonctionne finalement le mieux au sein d'un groupe de non-techniciens, on va dire. Tout le monde est à peu près familier avec ces outils. Sur OneCloud, l'avantage, c'est que ou OneExclude, c'est que ça change l'arborescence chez vous. Une fois que vous avez installé le client, finalement, les gens, ils ont juste leur arborescence en local et on peut les aider à l'installation. Et après, même s'ils ont un très mauvais niveau technique, bah, ça apparaît comme par magie dans leur répertoire. Quand ils lisent, ils ont juste à enregistrer dans le répertoire. Et pour les gens qui n'arrivent pas à relire sur écran, on utilise Xurnal, qui est un logiciel qui permet d'éditer les PDF et d'annoter sur le PDF, comme ça ils peuvent corriger à la main. Alors ils peuvent se l'imprimer s'ils veulent, mais sinon, moi par exemple j'ai une tablette, bah, je peux sur Xurnal à la tablette écrire comme à la main et entourer, souligner, etc. pour faire les corrections. Donc en gros, on est une demi-douzaine de gens vraiment actifs hein, sur Framabook. Je vous disais, on n'est pas une grosse équipe. Slide suivant, s'il vous plaît. Peux avoir le slide de suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, ça marche comment pratiquement si vous voulez soumettre un manuscrit à Framabook? Donc, vous avez un formulaire de contact sur le site de l'association dans lequel on vous explique comment présenter un petit peu votre projet. On préfère que les projets ne soient pas finis, parce que bah, comme tout éditeur, on a envie d'apporter un conseil éditorial. Donc si vous arrivez avec un livre et que vous cherchez un imprimeur, ce n'est pas nous qu'il faut venir voir. Hein. Vous pouvez aller voir un imprimeur directement. Si vous pensez que votre travail est terminé, nous, on n'aura rien à faire. Donc c'est si vous pensez que justement vous avez besoin d'un retour d'un éditeur ou de ce que dans le monde anglo-saxon font les agents, bah, dans ce cas-là, oui, effectivement, on pourra intervenir. Donc vous envoyez un message. Nous, ça nous est retransmis justement sur la liste de diffusion dont je vous parlais, donc où tous les gens qui collaborent au projet voient la proposition. On en discute entre nous de façon ouverte, hein, les archives étant ouvertes, même si vous êtes refusé, vous pourrez avoir accès au message qui explique bah, pourquoi vous avez été refusé si vous voulez avoir des détails. Ou si vous êtes accepté, bah, vous pourrez remonter dans l'historique et voir en fait les discussions qu'il y a eu sur votre propre travail. Donc on va échanger. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut que déjà il y ait plus de oui qui l'emporte. Hein, c'est indispensable qu'on pense qu'il y a vraiment un intérêt à travailler ensemble. Et surtout, il faut qu'il y ait une personne qui va dire je prends en charge le projet et je vais servir d'intermédiaire. Je vais prendre
et je vais essayer de faire travailler le manuscrit à la personne. Donc ça, c'est vraiment rédhibitoire. Et des fois, donc, on refuse parce qu'on n'a pas de personne disponible à ce moment-là. Ce n'est pas du tout lié à la qualité du travail ou à l'envie qu'on aurait éventuellement dans l'absolu. Mais c'est juste un problème de disponibilité de personne. Et dans une moindre mesure aussi, il faut qu'on ait des gens qui soient disponibles pour faire techniquement aussi, je disais, pour fabriquer donc, le PDF et l'e-pub. Donc un critère nécessaire mais non suffisant, c'est donc une licence libre. Donc je vous disais, en excluant les NCND, qui pour nous ne sont que de la libre diffusion, donc on tient à ce qu'il y ait des licences qui permettent de verser complètement pour nous dans les communs. Donc ça également c'est rédhibitoire, si vous voulez faire du NCND, là c'est clair qu'on vous dira non dès le début, il n'y aura même pas de discussion. Et donc après il y aura quelqu'un qui va vous accueillir, donc vous aurez accès à la liste de diffusion. Bon, il y a des écrivains, des fois, qui ne sont pas très à l'aise même avec cet outil-là. Donc, vous aurez une personne nommément désignée qui sera l'interface avec vous, qui discutera avec vous pour avancer sur le manuscrit, pour aider à le mettre en forme, pour éventuellement le retravailler. On a des fois eu le cas de gens sur lesquels il y avait un gros travail éditorial qui était nécessaire. Après, ça va être sur des ouvrages un peu plus techniques, ça va être des fois plus de l'organisation sur le chapitrage, de la relecture technique. Un des derniers ouvrages qu'on a sorti, je ne sais pas si vous avez vu, c'est ComaScript, donc qui est un plugin LaTeX. Donc on a sorti 800 pages de LaTeX, de technologie LaTeX. Bon là, c'est clair que le papyret qui nous a proposé le truc, au point de vue de LaTeX, il était plus compétent que tous ceux qui étaient sur la liste. Hein, donc c'était plus des conseils cosmétiques finalement et d'organisation de son propos, de la gestion des notes de bas de page, etc. C'est plus sur ce travail-là que notre collaboration a porté. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc nous, ce qu'on va vous apporter, une fois que vous avez livré votre manuscrit, de préférence sous format Markdown ou en format Writer, c'est qu'on va vous livrer un format e-pub donc accessible. On va prendre en charge la fabrication complète. On peut vous expliquer aussi comment on fait. Donc moi, c'était mon cas. Hein. Je faisais déjà des e-pubs avant, personnellement, mais j'avais pas du tout de... Alors, je voyais un petit peu l'intérêt de l'accessibilité, mais je pensais finalement que de respecter les directives de l'e-pub 3, par exemple, suffisait, mais en fait, pas du tout. Et donc, Kinou, donc la personne qui s'occupe de l'accessibilité, m'a formé petit à petit, m'a expliqué l'usage des différentes balises. Donc nous, on va le faire, tout ce travail. De la même façon, on va fabriquer les fichiers LaTeX, mais on peut tout à fait vous apprendre et vous former également pour que techniquement, vous soyez indépendant. Moi, je pense qu'en tant qu'auteur, c'est toujours important d'avoir un interlocuteur sur lequel échanger sur le fond de son travail. L'auto-édition, c'est quelque chose d'extrêmement aventureux, extrêmement dangereux. Non pas parce que les ouvrages sont de moins bonne qualité, mais c'est parce que justement, comme on n'a pas de retour éditorial d'un tiers, il manque un travail souvent formel de quelqu'un qui va vous aider à trouver votre public, qui va vous faire des retours sur la structure, parce que vous êtes tellement le nez dans le guidon, vous ne pouvez pas vous rendre compte des fois d'erreurs grossières. Et c'est quelque chose de vraiment important de ne pas être seul, je pense, pour sortir un ouvrage. Par contre, je pense que c'est intéressant d'être compétent techniquement pour pouvoir suivre également le travail de son éditeur, quel qu'il soit, éventuellement pour donner des conseils, ou une fois que le travail éditorial est fait, je vous dis, comme nous, on travaille avec du libre, nous, on fait une édition en couverture souple, en print en demande, et vous dites, moi, je suis bibliophile, j'ai envie de faire une édition sur du velin plein de peau, avec doré à la tranche, etc., et donc refaire un PDF pour pouvoir faire de l'impression de Beaux-Arts, etc., vous pouvez vous former aussi au sein de Framabook, apprendre un petit peu comment ça se passe, et ensuite faire vos propres éditions, aller voir un imprimeur, faire vos propres e-pubs, faire des versions différentes d'e-pubs éventuellement, faire des versions différentes de vos ouvrages. Enfin voilà, on peut vraiment vous apporter tout ce lot de compétences, vous aider à vous former, vous donner des pistes sur lesquelles aller. Et donc, parce que justement, on a l'habitude d'intégrer des non-techniciens dans la chaîne, je vous disais, donc même si vous n'avez aucune compétence, ce n'est pas du tout grave. Parce que si vous ne voulez pas vous en occuper et que ça ne vous intéresse pas, on le fera. Mais si vous avez envie de l'apprendre, on est tout à fait à même de vous aider à vous repérer un petit peu dans la jungle des formats et les nécessités techniques. Parce que l'impression d'un livre, c'est quand même un truc assez complexe. Alors nous, on ne fait que du livre noir et blanc pour des raisons de coût. Comme je vous le disais, donc on fait du print en demande et donc du coup faire la quadricomie, ça revient extrêmement cher.
La plupart des livres vaudraient plusieurs dizaines d'euros si on devait le faire. Et en plus, si vous voulez faire l'édition d'art, par exemple, ça c'est un aspect technique aussi sur lequel on insiste, on ne peut pas le faire. C'est absolument impossible. Je ne sais pas si vous avez vu la BD de David Révois, éditée chez Glénat. Faire une BD comme fait Glénat, c'est vraiment très compliqué. Parce qu'il faut harmoniser, au point de vue colorimétrie, les pages entre elles. Donc il y a ce qu'on appelle les cahiers d'imposition. Parce qu'on imprime les pages par groupe, et après on les replie, ça fait ce qu'on appelle les cahiers, et on les colle ou on les agrafe en général. Et donc du coup, si vous avez sur la même grande feuille que vous imprimez une image très noire, une image très claire, le chef de fab de l'atelier, il faut qu'il règle la densité des encres, de façon à ce que le noir soit assez noir, mais que le blanc ne soit pas trop blanc. Il faut que le blanc soit, on voit encore un petit peu de lumière, mais il ne faut pas qu'il soit trop dense, sinon les noirs ils seront complètement bouchés. Et ça, il doit le faire par cahier, mais que tous les cahiers entre eux soient harmonisés. Et donc ça, ce que je vous expliquais, c'est le calage au départ de l'impression. Bah, quand vous faites du print on demand, vous ne pouvez pas le faire, parce que ce sont des machines automatiques qui le font. Et donc la qualité ne sera absolument pas au rendez-vous. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on ne fait pas de BD, hein, par exemple. Ou alors si on fait de la BD, puisqu'on fait, on édite le dictionnaire, etc., par exemple, de J. Mais c'est noir et blanc. Voilà. Parce que tout ce travail finalement de colorimétrie, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et ça justement, c'est une des choses sur lesquelles actuellement, on n'a pas de solution, parce que le print on demand ne peut pas apporter une qualité égale à ce que Glénat... En plus, là, ils ont fait vraiment du super boulot. Hein. Si vous avez l'occasion, je ne sais pas s'ils en ont encore sur le stand, ils ont vraiment fait du super boulot. Actuellement, dans une chaîne telle que l'on a, nous, c'est absolument impossible de le faire. Voilà. Slide de suivant, s'il vous plaît. Donc les difficultés auxquelles on est confronté, c'est que on n'a pas trouvé d'outils. Donc je vous disais, on essaye un petit peu tout. On n'a pas trouvé d'outils qui répondent véritablement à nos besoins. On n'a pas trouvé de projets qui travaillent sur des outils de ce type-là. On a quelques personnes qui vont créer des outils pour écrire des romans, par exemple. Il y a quelques outils libres. Là, j'ai découvert récemment un outil qui s'appelle Manuscript, qui est en Python, qui permet de gérer ses personnages, de gérer un peu le chapitrage, etc. Mais là, c'est un auteur en fait qui a codé ça. Le problème, c'est qu'il a fait un outil intégré tout en un, et donc ça permet d'éditer directement, par exemple, ses e-pubs, etc. Mais on ne peut pas éditer ses e-pubs à la main, et les e-pubs que lui génère ne sont pas accessibles. Donc pour nous, c'est pas suffisant, finalement. Et donc pour l'instant, ce qu'on a fait, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de découper en tranches finalement les différentes interventions et d'appliquer le principe du KISS, hein, de Unix, et donc de trouver pour chaque étape finalement l'outil le plus performant qui permet de travailler dans de bonnes conditions pour essayer de générer une chaîne qui soit efficace au final. Pour l'instant, on ne l'a pas du tout, parce qu'on manque de gens qui réfléchissent. Alors, en tant qu'utilisateur, finalement, on n'a pas assez d'auteurs qui s'impliquent techniquement, qui se sentent suffisamment à l'aise avec la technique pour faire des retours suffisants pour qu'on puisse établir un cahier des charges, par exemple, et discuter un petit peu avec eux sur ce qui pourrait être intéressant comme outil à mettre en place, et puis aller chercher des devs, hein, après, éventuellement. Et ou de l'autre côté, on n'a pas trouvé de dev qui soit suffisamment intéressé finalement par les besoins d'une chaîne d'édition littéraire de bout en bout qui soit fonctionnelle pour les différents intervenants. Donc là, pour l'instant, on se contente d'essayer de travailler par petits morceaux, comme je vous disais, avec des outils souvent en ligne de commande, hein, finalement, du type Pandoc. Le dernier slide, s'il vous plaît. Non, ils ne veulent pas. Bon. Et indépendamment des problèmes techniques, donc je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi actuellement donc une difficulté à s'interfacer avec le monde traditionnel de l'édition, parce que comme on a des exigences éthiques, on se bride automatiquement l'accès à, je vous dis par exemple, pour toucher le public, il suffit d'être sur Amazon. Hein. Sur Amazon, vous avez des gens qui sont auto-édités, qui peuvent rencontrer le succès. Nous, on se l'interdit de facto, puisqu'on ne va pas y aller. On va aller sur des plateformes où les gens, naturellement, ne vont pas. Il faut en faire la promotion. Donc, on a quand même Framasoft qui permet de, quand on fait des articles sur le Framablog et tout, qui donne une visibilité, mais ce n'est pas du tout suffisant, hein, vous l'imaginez bien, pour contrer la puissance que peut avoir un Amazon avec ses recommandations automatiques,
etc. On a également une difficulté, c'est que les partenaires dans le monde de l'édition ne nous voient pas comme des gens, comme des vrais éditeurs. Ils nous voient comme une association de bidouilleurs, ce qui est un petit peu vrai en un certain sens, mais on produit quand même du vrai contenu et on travaille vraiment sur les ouvrages avec un vrai suivi éditorial supérieur à certains suivis éditoriaux que j'ai pu rencontrer dans des maisons d'édition traditionnelles. Hein, parce que faut voir qu'il y a des... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une crise de l'édition traditionnelle. Ce n'est pas du tout une volonté de la part de plein d'acteurs, mais ils ont aussi des obligations de résultats qui font que souvent le travail est bâclé, malheureusement, à leur grande âme. Hein. Moi, même dans des grandes maisons d'édition, j'ai découvert que dans des très grandes maisons d'édition, vous dites, voilà, je vais signer chez Gallimard, chez Hachette, voilà, des noms comme ça qui font rêver quand on est écrivain d'avoir des réponses chez Lafon. Et chez eux, ils ont des éditeurs. Donc les éditeurs sont, comme chez nous, les gens qui vont accompagner les auteurs, hein, ce n'est pas les gens qui font la technique. Donc avec des éditeurs qui sont des grands professionnels, avec beaucoup d'expérience, ils n'ont juste pas le temps. C'est-à-dire quand vous êtes éditeur chez Gallimard, que vous avez un portefeuille de plusieurs dizaines d'auteurs, vous vous rendez bien compte que le travail que vous faites sur un manuscrit, que vous devez en sortir régulièrement parce qu'eux-mêmes, ils sont en recherche de trésorerie, ils travaillent sur le best-seller, donc ce sont des livres qui ont des cycles de vie très courts. C'est-à-dire qu'on parle de cycles de vie qui sont en semaines hein, pour certains bouquins. Donc les livres, ils vont rester sur les linéaires véritablement bien placés quelques semaines et ils vont rester en librairie quelques mois avant d'être retournés, puis 9 fois sur 10 pour être pilonnés. Et donc du coup, le travail éditorial, parfois, si vous n'êtes pas un auteur vitrine de la maison, vous avez intérêt à être un petit peu autonome parce que malgré toute sa bonne volonté, votre éditeur il n'aura peut-être pas les moyens finalement humains de vous accompagner. Donc nous, malgré le fait que justement, comme on n'a pas ces contingences-là, on peut vraiment avoir des échanges des fois très longs avec des auteurs. Il y a eu des fois des gens qui ont été obligés de reprendre de façon très profonde leur manuscrit. Malgré ça, finalement, on n'est pas reconnu parce que justement, on ne diffuse pas par les moyens de diffusion traditionnels, en gros, qui est la distribution par Hachette dans les libraires, les librairies traditionnelles. Et comme on a un fonctionnement atypique, même les autres éditeurs de taille similaire, finalement, parce que le monde de l'édition française, donc on a quelques gros monstres. Donc vous avez Hachette qui représente quand même une énorme partie de l'édition française, par exemple. Donc tout le monde pense à des éditeurs de cette taille-là. Et c'est un vrai problème pour les petits éditeurs. Moi, je connais plein d'éditeurs où ils sont un dans la maison d'édition. Donc, et quand ils travaillent sur du livre, donc j'en connais un qui fait du roman, donc c'est un éditeur alsacien. Et c'est une vieille maison d'édition en plus, puisqu'il a racheté en fait un fonds éditorial qui est assez ancien, qui a plusieurs dizaines d'années. Mais avec la crise aidant, hein, 2008 a fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Enfin, moi, je l'ai vécu. Donc, beaucoup d'éditeurs ont eu beaucoup de difficultés suite à 2008. Et donc, lui, il a vu sa maison d'édition passer de 6 collaborateurs à 1, en l'occurrence, lui. Il reçoit toujours le même volume de manuscrits quotidiennement. Donc, il reçoit au moins une dizaine de manuscrits par jour. Donc, on est plus à l'aise même que lui, je dirais. On a plus de moyens que lui, finalement, pour... On fait plus de travail d'édition que lui, sauf que lui, comme il est une société, qu'il est diffusé par un diffuseur traditionnel en librairie, etc., il est plus intégré finalement dans les salons littéraires, etc., que nous, on peut l'être. Donc, c'est quelque chose sur lequel, longtemps, on a essayé de trouver des solutions pour circonvenir finalement cette difficulté. Et depuis quelques mois, on a décidé de laisser tomber, finalement, un petit peu comme on a fait avec l'éducation nationale ou avec Framasoft de façon générale. Finalement, on s'épuise à essayer de rentrer dans ce réseau, alors que dans ce réseau, il y a plein de choses qui ne nous plaisent pas. Donc on en est venu à l'hypothèse que ce qu'il faut, c'est essayer de faire autrement. Et là, on réfléchit maintenant à voir si on ne pourrait pas recréer carrément une chaîne du livre complète qui permettrait d'aller jusqu'au lecteur de façon, comme je disais tout à l'heure, éthique. Et on est en train de se dire ce qui nous pose problème. Alors, sur les e-pubs, c'est facile, hein, puisqu'il suffit de mettre les e-pubs à disposition sur le net. La difficulté, c'est de le faire savoir, mais ça, c'est encore un travail de communication. Ça, on peut travailler avec les autres membres de l'association, justement, pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer la visibilité des e-pubs. Ça, c'est une question de moyens. Par contre, sur le papier, comme je vous disais tout à l'heure, il y a toujours le problème de l'acheminement. Et comme le transport de tout ce papier en camion, écologiquement, ce n'est pas terrible, on s'est dit ce qu'il faut, c'est arriver à faire en sorte que
le livre il soit fabriqué au plus près du consommateur finalement. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a, depuis quelques mois, il y a une machine qui a été mise en place au PUF à Paris, où ils font du print en demande dans la librairie. Donc ils ont une grosse machine, et il y a pratiquement tout le fond des PUF qui est dedans, donc il y a toute la collection Que sais-je, je crois, par exemple. Et en fait, vous venez, vous commandez votre livre, je crois qu'il faut un quart d'heure, 20 minutes, et ça vous imprime le livre, façonné. À la sortie, vous avez un vrai livre hein, qui est collé avec un dos carré, etc. Et bah, en fait, du coup, vous pouvez prendre... alors, je ne sais pas comment s'organiser, je n'y suis pas allé, mais vous pouvez tout à fait imaginer une librairie qui fait également salon de thé ou café. Bah, vous pouvez boire un coup, feuilleter un petit peu les derniers ouvrages, et pendant ce temps-là, votre livre, il s'imprime. Et du coup, on ne trimballe pas des livres un petit peu partout. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on trouve très intéressant. Sauf que, vous vous en doutez bien, la technologie de cette machine, elle n'est pas libre. Alors en plus, pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de Stallman et du fameux driver de la Xerox, bah, c'est une machine Xerox en plus. donc ça, par contre, voilà, ça, c'est quelque chose qui a fait tilt un petit peu au sein de Framabook, et on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on arrive à trouver des solutions de ce type-là. Il faudrait qu'on se rapproche des Fab Labs, parce que les Fab Labs sont des gens qui travaillent sur, alors certains en tout cas, qui travaillent sur l'open hardware, qui travaillent sur la technologie justement, éventuellement de la low-tech, etc. Parce qu'on peut tout à fait faire de l'impression avec une machine Gutenberg ou une machine 18e, hein, on n'est absolument pas contre. Ce qu'il faut, c'est le faire au plus près possible finalement de l'usager. Vous avez les universités, souvent, elles ont des imprimeries où elles vont avoir les collectivités, par exemple les départements aussi, souvent ont des imprimeries départementales où elles ont des accords avec des imprimeries départementales. Donc il faudrait faire en sorte que finalement ces livres bah, ils soient imprimés pour être utilisés au plus près. Et donc il faudrait qu'on sorte, nous, en tant que Framabook, la gestion du papier. Ce qu'il faudrait qu'on arrive peut-être à proposer, c'est un, travailler donc avec des gens pour proposer des solutions libres de fabrication de livres. Donc ça, voilà, on lance un appel. S'il y a des gens qui travaillent en Fab Lab, des gens qui s'intéressent à l'impression de façon générale, bah, n'hésitez pas à venir nous voir, parce que si on peut arriver à mettre en place des machines de type Xerox libres qui pourraient s'installer dans les Fab Labs, c'est très intéressant. Mais même de façon générale, bah, si on pouvait fournir des fichiers prêts à imprimer, faciles à imprimer, que les gens puissent prendre le livre, aller chez l'imprimeur du coin, le faire imprimer selon ses besoins. Donc on pense par exemple aussi au milieu scolaire. Si on pouvait proposer, donc on a déjà créé un acronyme au sein de Framabook, on appelle ça des piles, des pré-imprimés librement. Donc si vous avez un fichier pile, en tant qu'enseignant, parce que vous devez étudier Victor Hugo, bah, plutôt que de faire acheter aux gamins tous les ans des livres chez des éditeurs où les gamins ils vont tous débourser 10 euros pour acheter un bouquin de Victor Hugo qui est dans le domaine public, bah, si le prof il avait à disposition une pile et qu'il sait qu'il peut l'imprimer et que ça permet de l'imprimer à prix coûtant dans l'imprimerie départementale pour 3 euros, bah, ça permettrait déjà que le prof, même s'il veut, il peut intervenir pour choisir la mise en page exacte qu'il veut. Et ça permet de faire moins cher aussi pour les gamins. Ça relocalise également, ça évite de transporter, comme je vous le disais, des bouquins qui se baladent sur tout le territoire pour finir en pâte à papier. Sauf que, bah, il faut que le pile ce soit pratique, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit accessible pour des Dupuis Morisot. Donc là, c'est vraiment, l'axe de développement sur lequel on va travailler dans les mois qui viennent. Donc là aussi, hein, s'il y a des gens qui sont intéressés sur cet aspect qui est plus technique, finalement, sur la chaîne du livre de fabrication des ouvrages papier, n'hésitez pas à nous rejoindre. Même si ce n'est pas forcément pour collaborer à Framabook, si vous avez des projets personnels, des envies, ou si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, pour leurs projets à eux, on peut tout à fait travailler ensemble, hein, de la même façon que... Donc on a mis en place les chatons, on serait très heureux qu'il y ait un collectif d'éditeurs associatifs, professionnels, indépendants, auto-édités, qu'on puisse faire masse finalement et échanger sur ces sujets pour arriver à proposer au public, donc nous on les appelle les Dupuis Morisot hein, au sein de Framasoft, qu'on puisse proposer justement à des gens qui n'ont aucune compétence technique l'accès à des ouvrages papier chez eux à des prix pas trop élevé et de façon simple. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on insiste. Voilà, donc le dernier slide, c'est juste, bah, si vous avez des questions, à la fin, voilà, vous avez le lien si vous voulez devenir relecteur. Donc, on est en train de le refaire, donc l'adresse changera peut-être, parce qu'on est en train de refaire tous les sites de collaboration sur Framasoft. Mais bon, si vous tombez sur Framabook, vous retrouverez si jamais l'adresse a changé. Donc c'est là où vous avez le petit test, si jamais vous voulez devenir relecteur, donc pour voir si vous êtes un petit peu à l'aise avec les différents signes de typo et tout ça. Vous avez également
les consignes si vous êtes écrivain, que vous voulez nous proposer un manuscrit. Donc on accepte tout type d'écrit, donc, sauf les BD. Ça, si vous faites du noir et blanc, dans ce cas-là, ça sera éventuellement possible. Mais en sachant qu'on ne pourra certainement pas faire des grands formats, on a décidé de faire que du format A5. Alors, pour un mauvais exemple, comme Comascript, on a fait du A4, mais c'est parce qu'en fait, c'était tellement énorme que si on l'avait fait en A5, le bouquin aurait été. Il fait déjà 800 pages en A4, donc c'était une des rares exceptions. Donc, si vous faites de la BD, il faut être conscient que ce sera du petit format. Parce qu'on essaye d'unifier, justement, pour tout ce qui est transport, manutention et tout ça. On a essayé de se baser sur un seul format. Mais après, on accepte vraiment tout type. Ça veut dire de la philosophie, de la poésie. Enfin, voilà, on n'est pas du tout. On ne se restreint pas sur les genres. Ça peut être des ouvrages techniques, des ouvrages plus engagés politiquement, par exemple, autour de la question du libre et des communs. Enfin, voilà, on est vraiment très ouvert. Et vous avez donc l'adresse générale Framabook, où vous retrouvez également tous les Framabook en libre téléchargement, puisqu'on met les formats PDF, EPUB en libre téléchargement. Et vous avez le lien pour commander sur notre boutique Lulu si vous voulez acheter les ouvrages papier. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais vous faire passer le micro pour les questions, parce que je crois qu'il faut que ça enregistre. Oui, j'aurais une petite remarque très rapide. Tu n'as pas besoin de dire, selon nous, c'est du libre. Alors, et NCND n'en sont pas. NCND, ce n'est pas du libre. Voilà, donc c'est la définition. Tu vas sur le site du SCC, tu regardes Free Cultural Work, il n'y a que CC0, bye et ça. Après, j'ai deux questions très différentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta démarche. Tu étais déjà édité chez un éditeur traditionnel, donc tu avais atteint l'étape ultime que vise tout auteur. Comment. Qu'est-ce qui t'a amené à Framasoft, enfin Framabook ? Comment tu t'es inscrit ? Pourquoi tu as voulu le publier autrement ? Enfin, quelle était la démarche ? Et ensuite, il y a une autre question qui est radicalement différente. Alors, tu dis, on prend le temps, on veut faire les choses bien, on veut de l'accessibilité. C'est très noble. Pour un roman, à part la frustration de l'auteur de ne pas être publié tout de suite, prendre du temps, ce n'est pas un problème. Pour un essai, par exemple, de société qui va vouloir être publié quand il est en phase avec les sujets du moment, ou pour un ouvrage technique qui, pareil, va vouloir parler du logiciel actuel et pas du logiciel d'il y a 4 ans, c'est plus compliqué. Et pourquoi dans ce cas-là, c'est plus difficile à accepter, pourquoi dans ce cas-là, utilisez-vous pas le principe du libre, release early, release often, et peut-être que la première version ne sera pas complètement accessible, peut-être qu'elle ne sera pas parfaite, mais il y a quelque chose qui est à peu près fini sur le fond. Eh bien, la forme, on va y travailler. Et voilà. Je vais répondre d'abord à la deuxième question, parce que c'est plus rapide. En fait, on a le cas exact. On a fait un manuel usage du numérique pour les Dupuis-Morisot, qui est amené à évoluer, puisque le logiciel évolue, etc. Donc, du coup, on a fait un wiki. Et du coup, on peut modifier sur le wiki, et à partir de ça, régulièrement, on refait des versions. Après, alors, je ne suis pas sûr qu'on ait fait une version d'EPUB accessible sur celui-là. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est faire différents EPUB. C'est-à-dire que si on fait un EPUB, il sera accessible. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, ce que je trouve qui est bien dans l'EPUB, c'est que c'est inclusif. C'est-à-dire que ça permet de faire revenir dans le monde du livre des gens qui en étaient exclus. Et du coup, après, les gens ils finissent par s'embrouiller. Alors, est-ce que moi, j'ai l'EPUB accessible ? Je ne l'ai pas. Est-ce que je peux le prêter à mon copain qui est malvoyant, tout ça ? Donc, on essaye de faire qu'une seule version. Qui soit au mieux de nos forces, en fait, on va dire, à ce moment-là, en sachant que des fois, il y a des choses qui passent, hein, parce que justement, on se dit, bon, allez, ça fait quand même 6 mois qu'on est dessus, là, il faut qu'on le sorte, et puis 3 jours après la sortie, qui nous dit, ah oui, non, mais attention, là, dans la préface, ça ne va pas du tout, on le change, finalement, on ne le dit pas forcément, mais on va changer le fichier, ça peut arriver, hein, bien sûr, sur le... Dans la réalité du travail, en fait, on va dire, il y a des fois, on a des... Au bout d'un moment, il faut qu'on sorte, effectivement, par exemple sur des broutes et des ponts. Le livre, on l'a traduit par morceaux sur le Framablog, donc c'est déjà accessible finalement sur le Framablog, où il y a sur le CSS un travail qui a été fait sur l'accessibilité, etc. Donc les pubs, on veut qu'ils soient propres quand même. Il y a la version papier qui existe déjà pour les gens, donc une version e-pub payante. Là, pour le coup, on essaie quand même de prendre le temps de faire au moins un minimum. Voilà. Parce que l'ouvrage est déjà accessible quand même en anglais. Il est en français sur le Framablog, à peu près accessible.
Donc là, bon, on se dit que ça vaut le coup quand même de prendre le temps de faire les choses bien. Voilà. Mais on n'est pas complètement. C'est pas un avis définitif. On essaie de s'adapter aussi, effectivement, quand il y a un impératif. Alors, on a jamais eu d'ouvrages d'essais extrêmement polémiques qui ont besoin de sortir très rapidement. Par contre, bah, justement, sur le manuel numérique à l'usage des Dupuis-Morizot, bah, c'est quelque chose qui a besoin d'être fait régulièrement. Bah, on le fait, on fait différentes versions. Hein, ça, y a pas de souci. Après, sur ma démarche personnelle, je viens du milieu de la presse. Donc, à la base, j'étais rédacteur en chef de magazine traditionnel. Je faisais partie vraiment de l'édition traditionnelle. Et j'ai découvert le logiciel libre autour des années 2000 à peu près. Enfin, dans ma boîte, on a embauché en fait un responsable informatique qui était un fou de Linux, voilà, qui m'a converti, qui n'imaginait pas qu'on puisse utiliser un autre logiciel que Emacs. Voilà, pour lui, il suffisait d'installer Emacs sur son ordinateur et on pouvait tout faire. Et voilà. Donc, et puis, bah, quelques années après, mon entreprise, donc dont j'étais un des actionnaires, a coulé. Et je me suis retrouvé donc sans boulot, et puis bah, sans moyens techniques et tout ça. Et puis comme je faisais partie d'une association qui s'appelait Avignou, donc à Angul dans le sud, je me suis dit, bon, bah voilà, je me retrouve, là, il faut que je trouve des outils. Ce que je vais faire en sorte que ça ne me coûte pas de sous, parce que à l'époque, voilà, je n'avais plus de boulot. Et je me suis dit, bah, j'avais mon portable, je me suis dit, ok, bah, je vais faire un F-disk, et puis j'installe Debian. Et alors je me souviens, j'ai mis un mois à avoir le Wi-Fi. Hein. ça a été un peu le hard way pour apprendre. Et donc du coup, je suis arrivé sur le logiciel libre parce qu'il y avait le côté pratique du gratuit, hein, techniquement, parce que j'avais besoin de travailler. Et avec le GUL aussi, j'ai découvert l'esprit du libre. Alors c'était vraiment uniquement le logiciel, il n'y avait pas la culture libre. Et donc du coup, moi j'ai commencé à écrire des livres. Et puis, bah, comme voilà, je travaillais dans la presse, j'avais des contacts et tout ça, donc j'ai édité, j'ai fait différents types de livres. Je fais de la vulgarisation historique aussi, donc je faisais des bouquins d'histoire traditionnelle. J'ai fait des romans, donc bah, j'avais écrit un roman, et je connaissais un type qui était éditeur, et je lui ai dit, bah, écoute, tiens, j'écris un truc, tu ne voudrais pas me dire ce que tu en penses ? Puis, donc lui, il éditait du livre d'histoire, il dit, bah, écoute, j'en pense vachement du bien, je voudrais bien t'éditer. Bon, ok, d'accord, bah, édite-moi. Enfin, voilà, ça s'est fait finalement sans même que j'y réfléchisse. Et parallèlement à ça, bah moi, j'ai commencé à découvrir un petit peu l'univers du libre petit à petit. J'ai eu à ce moment-là envie d'écrire des nouvelles dans l'univers de mes romans policiers. Et donc j'en ai parlé, je dis, bah, écoute, moi, comme je bidouille un peu sur Internet, je me ferais bien un site web où je mettrais bien des textes régulièrement, tous les mois, pour que les gens y découvrent un petit peu le monde des croisades tel que j'ai envie qu'il soit présenté de façon un petit peu plus mosaïque, on va dire. Et il me dit, ouais. Alors, c'est là justement où j'ai vu le problème de la licence. Je voyais bien qu'il était réticent. Bon, c'est un type super gentil, hein, un type que j'adore. Et je sentais qu'il n'était pas à l'aise avec l'idée. Je lui ai dit, bah ouais, enfin, nous, en gros, on mise sur toi. Ouais, on essaie de faire un peu de la promo et tout. Et là, tu vas te mettre des textes sur Internet. Les gens, c'est tout gratos. Et puis, peut-être qu'un éditeur, il va te prendre le texte, il va te publier. Voilà, je sentais que ça le gênait un peu aux entournures. Et donc du coup, j'ai regardé un peu dans les licences et j'ai découvert la NCND. Et je lui ai dit, bah, écoute, la NCND, les gens, ils ne peuvent rien faire. Ce qu'on peut faire, c'est que moi, ce qui m'importait, c'est que les lecteurs puissent le lire sans se prendre Adopi sur la tronche. Je lui ai dit, écoute, moi, les lecteurs peuvent le lire et NCND, aucun éditeur ne pourra le prendre. Bon, à l'époque, je n'étais pas conscient du fait que même avec du CC0, il y a le droit moral en France. Et de toute façon, voilà, on ne peut pas le piquer. Donc, mais bon, enfin voilà, je lui ai proposé ça. Et il m'a dit, bah, écoute, oui, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que je dis, moi, la NCND, je trouve que des fois, c'est intéressant. Parce que la NCND, c'est ce qui permet de rentrer. C'est compatible et ça ne fait pas peur au milieu traditionnel. Et donc, j'ai commencé, donc c'est en 2011. Oui, ça fait 6 ans, voilà, donc à publier. Et puis, j'ai creusé, en fait, ce côté question des communs et tout ça. Je suis quelqu'un qui, donc, quand je faisais de la presse, je faisais la vulgarisation historique. Donc, je suis quelqu'un qui a toujours été curieux sur l'éducation populaire. Et en découvrant le monde du livre, je me suis dit que c'est un fabuleux vecteur, justement, d'éducation populaire pour moi. Je commençais à me dire que finalement la manière dont je travaillais n'était pas compatible avec les valeurs que finalement je portais en moi. Et le problème, c'est que j'avais un contrat exclusif jusqu'à 70 ans après ma mort, quand même. Et donc avec cet éditeur, à la base, on avait prévu de sortir un ou deux romans par an, puisque l'idée c'est de faire un cycle. C'est un enquêteur, hein, enfin, voilà, à chaque fois on suit une enquête. Et comme moi, mon but, c'est aussi de faire découvrir l'histoire.
parce que j'ai envie que les gens aient une autre vision des croisades. Donc il faut qu'il y ait quand même du contenu qui sorte régulièrement. Et donc on était d'accord sur un rythme de publication assez important quand même. Et la crise est passée par là. Et le premier tome est sorti. 6-8 mois après, le deuxième tome est sorti. Donc tout allait bien. Et puis le troisième tome, donc je l'écris. Et puis au bout de 6-8 mois, je dis alors quand ? Ah ouais, là, c'est pas trop le moment. On attend encore quelques mois. Ok, 6 mois après. Alors on le sort. Là, cette année, c'est pas trop possible. Prochaine année. Puis comme ça, il reportait de mois en mois, d'année en année. Et au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, est-ce que tu vas le sortir un jour ? Ouais, j'aimerais bien quand même, mais tu comprends, c'est difficile. Et puis en même temps, moi, je voyais mes droits d'auteur qui fondent. Parce qu'une des raisons pour lesquelles aussi on ne met pas sous licence libre, c'est que ça nous génère des revenus. Hein, de toute façon, quand c'est son métier. Et au bout d'un moment, je voyais mes droits d'auteur qui fondaient comme neige au soleil. Et puis je me dis, ce qui pouvait me retenir, c'est le fait que j'en vis, que ça m'apporte des revenus. C'est en train de ne plus m'en rapporter. Et en plus, je n'arrive pas à produire, à toucher le public, parce qu'il y a un mec qui retient, malgré lui, mais il retient finalement ma production. Et puis en même temps, j'avais envie de rester avec lui, parce que c'est quelqu'un qui avait un regard critique sur mon travail, je vous le disais tout à l'heure, je pense que c'est important. C'est quelqu'un sur le premier tome, il m'a beaucoup aidé à améliorer mon travail. Et puis là, je ne sais plus comment, en surfant sur Internet, j'ai tombé sur Framabook, parce que Framabook n'est pas forcément très visible chez Framasoft. Et je me suis dit, mais en fait, c'est avec des gens comme ça que j'ai envie de bosser. Et donc, j'ai demandé à mon éditeur, j'ai dit, écoute, tu n'arrives pas à le sortir, est-ce que tu serais d'accord pour me rendre les droits sur mes bouquins ? Et donc, lui, comme c'est un gars sympa, il dit, écoute, ouais, moi, dans l'absolu, je veux bien, parce qu'effectivement, de toute façon, je vais peut-être même arrêter. Et puis bon, c'est un monsieur qui a une soixantaine d'années, il en a marre de se battre. Je vous disais tout à l'heure, c'est difficile pour eux aussi. Donc, il dit, écoute, faut que je joue avec mes associés. Voilà. Et donc, ça a pris 2 ans quand même. Ça a été compliqué. J'ai dû renoncer à tous mes droits d'auteur, c'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas versé ce qu'ils me devaient pour pouvoir récupérer les droits quand même. Et du coup, j'ai pu récupérer mes droits et donc mettre en Bayessa. Alors, j'ai choisi de faire du Bayessa parce que pour moi, c'est une licence militante. Contrairement justement à la NCND, qui est très compatible, la Baye ou la CC0 qui sont très compatibles avec le milieu de l'édition traditionnelle. L'exemple de David est un très bon exemple, une très belle réussite avec Glena qui lui a permis en fait de toucher du public encore plus important. Moi, du coup, je me suis dit, c'était l'occasion, vu que le milieu d'édition traditionnelle, j'en venais. Que j'en étais pas satisfait professionnellement parce que même des gens comme mon éditeur, ils n'arrivent plus à en vivre, alors ce sont des gens très compétents, que ça me faisait même plus vivre moi du tout. Je me suis dit, ok, je vais me servir de moi-même comme laboratoire d'expérimentation en disant, ok, moi je mets du Bayessa et je me ferme la porte. À moins qu'on trouve que Gallimard soit prêt à faire du Bayessa et reverser dans le pot commun son travail, parce que j'y crois assez peu quand même, sait-on jamais, moi je serais ravi. Je me dis, je vais fermer la porte et faire une œuvre qui oblige finalement les gens qui font des choses dérivées à remettre au pot commun, etc. Et donc, du coup, j'ai décidé quand j'ai proposé à Framabook, j'ai dit, moi, j'aimerais le faire en Bayessa et j'aimerais avoir une production importante, donc reprendre mon rythme de publication important de livres, parce que aussi, pour moi, c'est de la vulgarisation historique, c'est important, c'est de la vulgarisation culturelle et j'ai envie que ce soit sous une licence libre pour que ça se diffuse, pour que les gens s'en emparent. Et puis en même temps, ça me permet d'avoir une transparence. Enfin, j'ai découvert aussi que cette licence a fait que, quand j'ai lu les libertés du logiciel, j'ai dit, mais il y a les sources aussi. C'est intéressant d'avoir accès aux sources. Et quelque chose contre lequel je me bats depuis pas mal d'années aussi, c'est le génie littéraire ou le talent de gens d'exception, etc. Alors, tout le monde n'est pas Victor Hugo, clairement. Je ne suis pas Victor Hugo, je ne prétends pas l'être. Ou Le Clésio, moi j'aime beaucoup Le Clésio. J'écris pas des textes de la qualité littéraire de Le Clésio, j'en suis tout à fait conscient, mais je vois pas pourquoi ça m'intéresserait d'écrire. Et je me suis dit, ce serait bien aussi d'appliquer finalement cet accès aux sources sur mon travail, pour que les gens se rendent compte qu'écrire des romans, dont j'espère qu'ils sont écrits correctement, mes lecteurs ont l'air plus auto-satisfaits, donc ça devrait aller. Donc je fais un ouvrage professionnel, d'une qualité correcte. Je pense que ça correspond à un public. Enfin, de toute façon, j'ai un lectorat, donc je suis un vrai écrivain. Voilà, pour ceux qui ont toujours la peur, j'en connais qui ont le syndrome de l'imposteur de l'écrivain. Voilà, donc moi, j'ai tous les signes, comme tu le disais, où j'ai été édité par un éditeur traditionnel, etc. Et en même temps, en publiant
mes sources, d'ailleurs je publie mes sources Markdown, au fur et à mesure, même mes premiers jets, je les publie sur un dépôt Git accessible. Ça permet aussi, je pense, de désamorcer le fait que tout le monde n'est pas artiste. Enfin, moi, je me bats contre ça. Tout le monde est artiste. Au contraire, lisez mes premiers jets, vous verrez, c'est vraiment pourri. Quoi. C'est complètement bancal, c'est plein de fautes d'orthographe. Il y a Thierry Crouzet aussi, qui est un grand écrivain, qui disait que s'il n'avait pas Antidote, il ne pourrait pas publier, il ferait trop de fautes d'orthographe. Et il y a plein de gens, finalement, qui, bah, quand ils lisent justement des très grands auteurs, c'est sûr que quand on lit une poésie de Lautréamont, après, quand on fait de la poésie, je suis un peu nul. Oui, mais Lautréamont, il bossait aussi, hein, c'est comme tout le monde. Et le fait de publier, d'être transparent, je trouve que ceci est un des aspects du livre dont on ne parle pas assez. Ça permet aussi de dire aux gens, vous voyez, je ne suis pas un génie, hein, regardez, mes premiers jets, ce n'est pas terrible, mais c'est du travail, c'est un travail, c'est un vrai travail. Apprendre à écrire, c'est du boulot. On dit souvent, c'est dans les milieux artistiques, c'est 5% d'inspiration et 95% de transpiration. Mais c'est vraiment ça. C'est, mon livre, je le lis et je le réécris des dizaines de fois. C'est, chaque phrase est reprise. C'est pour ça que je vous dis, à la fin, on a tellement de lait dans le guidon qu'on ne s'en rend même plus compte. Et il faut quelqu'un aussi qui nous dit arrête. Arrête. Et ça, je me suis rendu compte, justement, en réfléchissant sur la mise à disposition. Je me suis dit que c'était aussi un aspect important de la culture libre. De la même façon que logiciel libre, c'était le gars de VLC hier qui disait qu'il a appris à coder en faisant VLC, c'est parce qu'il a eu accès au code. Et s'il y a des gens qui peuvent apprendre à devenir écrivain en lisant mon versionning Git, en disant oh là, mais il écrit super mal en fait au début, puis à la fin, bah non, tiens, finalement ça arrive un truc, il a commité combien de fois sur cette ligne? Ah putain, 58 fois quand même. Ouais, donc c'est du travail, et puis il voit quel type de travail. Quand je commit, je dis ce que j'ai fait, donc voilà, j'ai fait une passe cohérence des personnages, j'ai fait une passe concordance de temps, une passe relecture typo, etc. Bah, ça permet aussi de mettre au clair des méthodes de travail, hein, c'est de l'artisanat, et je pense que ça détruit aussi un petit peu ce côté de la muse qui vient visiter quelques personnes élues, contre laquelle moi je me bats depuis très longtemps justement par rapport à l'éducation populaire, et donc du coup ça a nourri finalement aussi cette envie d'ouverture. Et donc bah là, mais le premier roman donc est sorti juste avant l'été, hein, La Nef des Loups est sorti avant l'été, donc j'ai bien fait de le faire parce que ça me rapporte autant que dans l'édition traditionnelle, c'est-à-dire rien. Donc les ouvrages papier, bon, on n'en a pas vendu beaucoup, et donc moi j'ai mis en place un Tipeee. Oui, ouais, y a des gens qui l'achètent. C'est toi qui l'as acheté, alors, ok. Ouais, donc j'ai mis en place un Tipeee, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, j'ai vu, qui sont sur Tipeee, alors, ou Patreon, c'est encore plus pour les arts, mais seulement c'est anglo-saxon, et comme j'écris en français, bon, je me dis c'est pas forcément adapté. Mais même là-dessus, c'est-à-dire que j'essaie de mettre la barre vraiment haut. Moi, je préfère être sur Liberapé. Bon, accessoirement, mon épouse est une des fondatrices, donc c'est quand même mieux. Mais j'essaie d'utiliser les outils libres aussi pour réfléchir à la manière dont on peut financer les communs. Pour moi, les créateurs, ceux que j'appelle les poètes, on fait partie des communs, et il faut trouver des solutions pour nous financer, donc j'essaie de mettre en place des solutions comme ça. Je fais partie du réseau d'Unitaire, donc j'accepte aussi les dons en june. Actuellement, clairement, ça ne paye pas du tout mes factures. Mais ça ne paye pas moins que dans l'édition traditionnelle, comme je vous le disais. L'avantage, c'est que mon livre est sorti donc, au mois de juin, donc j'ai touché 14 centimes, je crois, d'euros. Je les ai touchés tout de suite. C'est une grosse différence. Dans l'édition traditionnelle, vous êtes payé, en général, l'année suivant, vous êtes payé une fois par an. La première fois, l'année d'après de la sortie, normalement, en février, on vous donne les comptes et on est censé vous payer en mars. Là, comme je vous le disais, j'ai eu mes comptes en septembre et il m'a dit « bientôt, tu auras les sous pour 2016 ». Là, si vous faites du libre, que vous faites de l'appel aux dons, quand vous sortez, vous pouvez avoir les dons le jour même. Il y a Maliki, donc il ne fait pas du libre, hein, c'est quelqu'un qui fait de la BD, donc a décidé de changer de modèle et d'appeler aux dons. Donc c'est quelqu'un qui a une très grosse audience, hein, sur les réseaux sociaux et tout. Je crois que c'est en une semaine, il avait plus de 9000 euros par mois de promesses de dons. Donc ça, aucun éditeur peut s'aligner. Hein. Aucun éditeur va vous proposer un salaire de 9000 euros par mois juste à la sortie de votre bouquin. Hein. J'ai des copains qui postent dans la BD, c'est pareil, c'est compliqué de se faire payer, même quand on a un peu de succès. Quoi. Moi, j'ai un copain qui gagne l'équivalent d'un SMIC, à peu près, à faire un peu plus, enfin une fois et demie le SMIC.
Il est tous les mois pratiquement, il est obligé de pleurer parce que, comme tous les ans, ça ferait quand même un gros montant pour l'éditeur. L'éditeur, il vous mensualise, mais il vous mensualise pas à l'avance. Hein, c'est pas fou. Il vous mensualise après. C'est-à-dire que l'année d'après, il commence à vous payer mois après mois ce qu'il vous doit de l'année d'avant. Hein, parce que c'est pas forcément. Alors, il y a des margoulins hein, comme partout, mais c'est pas forcément. D'accord. Okay. C'est pas forcément une volonté de leur part, mais ils ont pas forcément la trésorerie. Si vous faites du livre, que vous rencontrez le succès, ou comme David Révoy, hein, il est quand même le montant a été assez important relativement vite. La grosse difficulté, je pense, c'est que le livre écrit, on se prête pas du tout à la diffusion sur les médias sociaux, dans l'économie de l'attention, on a des boulets au pied, quoi. Quand quelqu'un voit je reprends l'exemple de David, qui fait du libre aussi. Quand quelqu'un voit un dessin de David, il dit putain, c'est super beau, je repouette. Enfin voilà, quand il fait son Inktober, je fais partie des gens, je like et je repartage, c'est trop beau. Ah, c'est joli, ça me prend 30 secondes. Si je pouette mon roman, donc le gars il va prendre le pouette, okay, 8 heures après, il like. Donc le voisin, si le gars le lit, 8 heures après, il veut aussi le liker, c'est moins efficace. C'est moins efficace. Et donc du coup, il y a vraiment une difficulté à financer les gens qui sont sur les cycles temporels longs, qui ne sont pas sur des produits qui sont partageables sur les réseaux sociaux. Et il y a des exemples, il y a Neil Jomounsi, vous connaissez peut-être, qui fait également donc une partie de ses textes, de plus en plus une grosse partie de ses textes en libre, qu'il fait depuis plusieurs années. Il a fait l'opération Bradbury, je ne sais pas si vous avez vu, où il publie une nouvelle par semaine pendant un an. Donc il l'a fait il y a quelques années, il le refait en ce moment. Cette année, non seulement ça ne lui a pas permis d'augmenter les revenus comme ça avait fait il y a quelques années, mais en plus il s'est rendu compte qu'il touche moins qu'au début de l'opération Bradbury. C'est-à-dire qu'il a moins de donateurs qu'au début, alors qu'il a plus de contenu. Donc là, je pense qu'il y a aussi un gros chantier à faire, finalement, sur le financement de la création. De toute façon, la création, de façon générale, est très mal financée, comme je vous disais, mais sur la création libre, il y a vraiment tout un pan de la création qui, actuellement, il n'y a pas de modèle du tout qui permet de soutenir les auteurs. Voilà. Mais bon, je ne regrette pas, parce que, comme je disais, au moins j'ai touché 14 centimes, c'est toujours plus que... Voilà. Du coup, c'est bon, c'est fini. Okay. Donc, pas d'autres questions. Merci à vous. Et je suis sur le stand Frama, si jamais vous avez des questions ultérieures.